Comment changer votre cartouche de filtre Home Pure Nova? Fermez l'inverseur. Retirez le tube en appuyant vers le bas sur la bague supérieure du connecteur. Enlevez le tuyau flexible. Ouvrez la vanne frontale. Tirez pour enlever le couvercle supérieur. Retirez la bague de retenue pour déverrouiller le filtre. Appuyez fermement sur les éjecteurs pour retirer l'adapteur du filtre et le filtre. Séparez l'ancien filtre de l'adapteur. Nettoyez l'intérieur du filtre uniquement à l'aide d'un chiffon humide ou sec. Installez le nouveau filtre sur l'adapteur. Revouillez fermement la bague de retenue entre l'adapteur de tête et le réservoir d'eau pour éviter les fuites. À chaque changement de la cartouche de filtre, insérez toujours deux nouvelles pilles AA. Après le changement de la cartouche de filtre, l'indicateur doit être réinitialisé. Retirez le bouchon en silicone pour protéger l'intérieur du bouton de réinitialisation. Appuyez sur le bouton de réinitialisation à l'aide d'un trombone ou d'un objet similaire pendant 2 secondes pour réinitialiser le filtre. N'oubliez pas de remettre en place le bouchon en silicone. Reposez le couvercle supérieur dessus et connectez. 3 voyants LED vont clignoter simultanément pour savoir que c'est terminé. Connectez le tuyau flexible à la buse. Branchez le tuyau en plastique au raccord coudé. Ouvrez l'inverseur et la vanne frontale pour laisser couler l'eau pendant au moins 10 minutes avant toute utilisation. Vous faites bien de remplacer votre cartouche à temps. Continuez ainsi pour vous assurer d'obtenir la meilleure qualité d'eau que vous méritez. Continuez à boire Absolut. Life begins with water.